pensez à rejouer sur des percus, n'oubliez pas, on viendra après dessus. Hein. Pendant le truc, on rentre, ça clinche, je repars, je tente de contrôler, ça fonctionne pas, qu'est-ce que je vais faire? Là, ici, ce qui est intéressant, c'est que ce percus, franchement, elle va peut-être un peu tout côté, mais elle sera pas méchante. Hein. D'accord? Là, par contre, moi, j'ai un percus de bâtard. D'accord? Ça, c'est chiant. Entre ça là et ça là, je préfère me prendre ça. D'accord? De toute façon, je reste pas 10 heures. Je suis là. Bon, là, il est faible. Yeah. Donc, je lui défonce la gueule. Mais d'habitude, Mathieu, c'est un mec solide. Un vrai. D'accord? Donc, on est là. J'insère. Je reviens. D'accord? Donc, je reviens. C'est pas un gros Uchimata. Ah, où là, effectivement, vous l'avez vu, ça peut le faire tomber. C'est juste pour insérer, en fait. J'insère. Je vais bloquer. D'accord? Après. Mon idée, ça va être de coller pour pouvoir revenir. Donc, en gulpit, boum, je suis là, j'insère, je rentre, je connecte. Pour pas qu'il aille trop facilement sa jambe, parce que bien sûr qu'il peut la lever, mais là, ça y est, il a du poids dessus. Donc après, bah, je vais récupérer. Hop, je rapproche, percute. Dans la rue, je percute. D'accord? Quand il n'y a pas de règle, vous faites toujours un signe à la que vous êtes des gars. D'accord, donc on est là. On travaille. Boum, c'est un underhook. Je prends mon underhook. Je reviens. D'accord, je vais réagir. Je repasse. Transfert de poids. Bloqué. Récupération. Je maintiens. Je viens. Alors n'oubliez pas, pour ceux qui aiment bien faire la Hashigarami, qui est dégueulasse, ça, c'est pas un Hashigarami. Voilà. Le principe de la Shigarami fonctionne si je suis pas au sol. Pas si je suis au sol, si je suis en haut, c'est un danger de commencer à attaquer à partir de là. Il faut d'abord qu'il me fasse tomber pour que ce soit utile de faire appel de jambe. Mais d'ici, Gary Tonon, elle a pris super cher à cause de ça. Le gars a commencé à partir, le mec a commencé à prendre un heel hook, sauf que le gars il a fait step long, boum, il est revenu. Donc la Shigarami, c'est d'abord, je fais tomber, et là il peut commencer à travailler. D'accord? Donc vous amusez pas à faire des Hashigarami, pour ceux qui l'ont déjà vu, hein. Simplement d'en haut, sinon vous allez foirer. Ok? Bon, c'est plus pour toi en l'occurrence, c'est pour ça qu'il doit être. Ok? Allez, Jimmy!